Jour 2 de vacances dans la famille Riber. Ça l'a fermé tout seul, hein, la porte? Ok, j'ai la chienne. Donc, j'ai repris sang-froid. Bienvenue dans le jour 2 de la famille Riber. En vacances. En vacances. Bon. En même temps, je me filme, je viens de réaliser que Max ne ramasse pas ses choses encore. Hein? Il va avoir un bon temps. Donc là, on se prépare pour aller au parc. Les filles, allez faire votre pipi, s'il vous plaît. Ça, c'est le moment qu'ils sont vraiment énervés avant de partir. Juste avant de partir, par exemple, il faut que je tarte ma brassée de lavage parce que sinon, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Fait que là, je fais elle qui est le moins long, donc le noir. Parce que nous autres, tout ce qui est blanc, il faut du resolve. Ben du resolve. Mila? S'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer la boîte que tu as façonnée pour ton toutou pour pas que tu le perdes? Ah! C'est vraiment... C'est toi qui as pensé à ça. Une boîte de bleuet pour mettre ton toutou dedans pour pas qu'il s'use. Très bonne idée. On est rendu au parc. Anna, tu sais que je t'aime? Ouais. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Oh, t'es même pas tombée! Bonjour Maxime, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Hey, la première fois que tu vas sur YouTube? Une superstar! Qu'est-ce que vous faites, les filles? Wow! Je vais vomir! À 1, 2, 3, go! Oui! Comment tu trouves ta vie? Cruelle. Quoi? Je pensais que t'allais dire joyeuse, surtout pendant le temps des fêtes, la famille. Non? Justement, qu'est-ce qui est cruel, c'est la famille? Oui. Ah! Bon, présentement, moitié de journée, il est arrivé un petit inconvénient. Min-Min, elle a fait un coup sur son œil avec le cadre de porte, mais c'est pas grave, hein, Min-Min? Puis là, on va faire des bonnes sandwichs aux tomates. Yeah? Mais d'habitude, on dirait que ça colle. Pourquoi tu mets de la mayonnaise, maman? C'est wow, c'est des fromages. J'ai déjà vu ça que ça collait. Je pense qu'il faut t'enlèves le plastique, chérie. Il est présentement 1 h. Avec mon nez congestionné, il y a quelque chose qui m'appelle. Qu'est-ce qui m'appelle? Café, café, café! Ça, c'est l'instant de un dîner. Qui veut ma place? Levez la main, là, je vais en choisir une. Au hasard! Même pas besoin d'avoir d'études à rien, là, je te le dis. Levez juste la main. On est ici à côté Monsieur Auguste, qui regarde la plus grande des enfants essayer de me faire une tresse. Rose, est-ce que tu penses que tu vas être correct? Oui. Ouais, est-ce que tu penses que ça va être beau? Non. Hey! Ne sous-estime jamais ton talent, Rose. Jamais! Là, c'est le bout du bout. Max vient de me dire qu'il était un homme extrêmement attentionné. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi, Maxime? Ou je le montre? Ah, oh, c'est mieux de le montrer, écoute. Hey, j'ai eu un accident de voiture cette semaine. J'ai frappé un chevreuil. Puis attends, faut que je te montre ça. Dans le fond, vous voyez cette jolie voiture rouge vin, hein? Bourgogne. Rouge vin? Une belle petite caravane pour remplacer ma voiture que j'ai eu un accident cette semaine avec. Ça va être fantastique. Et encore la plus grand-mère. Encore plus grand-mère. Encore plus grand-mère. J't'ai pogné! J't'ai pogné! Welcome to the jungle! Oh! Oh! Ah, ça, merde! Oh! Il est en train de se défendre avec un coussin. Y a plus rien qui va ici. Plus rien. Ah! Ah! C'est lorsque la vie ne tient qu'à un seul coussin. Peux-tu m'expliquer, Rose, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je saigne pour rien. Tu saignes du nez, hein? Mon nom, ta main. Lève. Ah! On allume le petit foyer. Le sapin. On allume notre chandelle du temps des fêtes. Et ça brûle. Et voilà, c'est allumé. On sort le livre de Noël.
Donc, on donne les bains. Après ça, on prépare les vêtements du lendemain matin pour que tout soit prêt sur la table. Et après le bain, on fait des cartes de Noël et qu'on va vous montrer, dans le fond, demain, dans la journée 3, chez les Ripers en vacances. Fait que j'ai bien hâte de vous voir demain. Ah!